Donc, cette décision défavorable sur les détenus afghans, nouvelle révélation dans l'affaire Georges Jaffer, l'avortement, bref, une dure semaine pour le gouvernement Harper. Mince consolation, les sondages le donnent toujours en avance sur les libéraux qui n'arrivent pas à profiter des malheurs du gouvernement. J'en parle avec Dimitri Soudas, le directeur des communications du premier ministre Harper, dès après ceci. C'est une décision mûrement réfléchie, acclamée un peu partout, qu'a rendu le président de la Chambre des communes, Peter Milliken. Son message est clair, le gouvernement ne peut pas se jouer du Parlement, comme l'opposition accuse Stephen Harper de l'avoir fait si souvent. Peter Milliken donne 2 semaines au parti pour s'entendre et éviter une impasse qui pourrait déboucher tout droit sur des élections. La première rencontre des leaders parlementaires s'est fort bien déroulée, mais on n'a pas encore abordé les questions essentielles. Dimitri Soudas, bonjour. Bonjour. Bon, la décision du président de la Chambre, elle est très claire. Vous n'avez pas le choix. Vous devez négocier honnêtement, de bonne foi avec l'opposition. Nous sommes très contents avec la décision du président Milliken parce que le président Milliken aussi reconnaît l'argument du gouvernement qu'il faut aussi protéger les intérêts de la sécurité nationale du Canada. Ça veut dire quoi, ça? Que vous n'allez pas tout remettre d'aucune façon les documents aux députés, à l'opposition? Il y a une réunion entre nos ministres et les partis d'opposition jeudi passé. Et ça a été une bonne réunion, une réunion positive. Le gouvernement, notre gouvernement a indiqué très clairement que nous voulons trouver un compromis dans cette impasse. Nous voulons trouver un compromis suite au règlement du président. Mais ce n'est pas dans la nature du premier ministre de faire des compromis. C'est la nature et la réalité de n'importe quel contexte comme celui-ci. Et c'est la réalité aussi. Ce que notre gouvernement a aussi indiqué, c'est que oui, on est ouvert à trouver un compromis. Nous sommes allés à ces réunions avec un esprit d'ouverture. Cela étant dit, on a aussi l'obligation de respecter la loi canadienne. On a l'obligation de ne pas compromettre la sécurité nationale du pays ou de compromettre la sécurité de nos soldats qui sont présentement en Afghanistan. Mais au nom de cette sécurité, on pourrait penser, et l'opposition le dit à l'occasion, que vous avez des choses à cacher, qu'il y a des documents que vous ne voulez pas qu'on voit. Il faut être très clair sur ce point. Et c'est pas les politiciens dans leur bureau qui sont en train de décider quels documents peuvent être divulgués et quels documents ne peuvent pas être divulgués. On parle de fonctionnaires qui sont neutres, sans aucun appétit politique ou partisan, qui regardent les documents et selon la loi qui existe, loi qui a été écrite et approuvée par la Chambre des communes, en se basant sur cette loi, c'est des fonctionnaires qui sont complètement neutres et apolitiques qui décident qu'est-ce qui doit être divulgué et qu'est-ce qui ne peut pas être divulgué pour protéger la sécurité nationale et protéger nos soldats en Afghanistan. Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Vous avez peur que les députés de l'opposition tombent sur des choses que vous aimeriez mieux, qu'elles ne soient pas publiques et qu'elles s'en servent à des fins de politique partisane? Vous faites confiance à l'opposition ou pas là-dedans? Pour le gouvernement, ce n'est pas une question pour le politique de décider qu'est-ce qui peut être divulgué, comme j'ai répété. C'est une question de respecter la loi canadienne. Mais le président a donné 2 semaines aux partis d'opposition et au gouvernement de s'asseoir autour de la table et de trouver un compromis. On espère avoir une réunion demain ou après-demain, lundi ou mardi, le plus tôt possible cette semaine, pour trouver ce compromis, parce qu'on n'a pas besoin d'une élection sur un sujet comme celui-ci. Ni d'aller à la Cour suprême? Je pense qu'un compromis peut être trouvé Une chose qui est claire, c'est que le gouvernement est de bonne foi sur cette question. L'affaire Georges Jaffer. Raïm Jaffer, il est en train de contaminer presque tous les bureaux de ministres du gouvernement Harper. Il y a des traces de lui partout. Bien, ce qui est intéressant avec M. Jaffer, c'est... Puis il faut faire cette comparaison. Aujourd'hui, la définition d'un scandale selon les médias qui couvrent cette affaire, c'est quelqu'un qui envoyait des courriers électroniques, qui essayait d'avoir des réunions, qui essayait d'avoir des contrats. Mais en bout de ligne, il y a des règles en place sous ce gouvernement. Puis ces règles doivent toujours être suivies. M. Jaffer ou les gens pour qui
Il a fait des représentations, ont reçu zéro contrat, zéro dollar. Puis on se souvient, il y a 5 ans, M. Lessard, la définition d'un scandale, c'était des centaines de millions de dollars qui se retrouvaient dans les comptes bien, de parti. Je veux bien, mais votre gouvernement a été élu en disant « Nous, nous serons imputables à la population. Absolument. Ça n'arrivera pas, le lobbyisme, on va le contrôler. » Raïm Jaffer, le lobbyiste, Vaudois, il s'en fout éperdument. Mais regardez ce que le gouvernement a fait. Aussitôt que nous avons eu vent que des courriers électroniques ou des appels ont été placés à qui que ce soit, immédiatement, les ministres et le gouvernement ont envoyé cette information-là au commissaire au lobbyisme, parce que nous avons créé pour faire exactement ce que vous venez de dire. Mm-hmm. C'est de mettre fin à cette tendance de la culture du tout médu qui était là quand les libéraux étaient au pouvoir. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que Raïm Jaffer avait beaucoup d'amis. Tout le monde l'aimait, Raïm Jaffer, dans votre gouvernement. Il avait beaucoup d'amis et beaucoup de portes ouvertes et qu'il s'en est servi allègrement. Je vous dirais que c'est une déclaration exagérée de dire qu'il était aimé par tout le monde. Parce que s'il était aimé par tout le monde... Il était président du caucus, quand même. C'est un ancien député. Ouais. Mais en bout de ligne, aimer ou ne pas aimer M. Jaffer, le résultat était le même. M. Jaffer a eu zéro contrat, zéro dollar des contribuables ont été octroyés au dossier que M. Jaffer mm-hmm. peut-être faisait des représentations. On voit vraiment une différence entre la culture libérale et la culture conservatrice à ce sujet. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci.